Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est vendredi 8 juillet, il est 13h, on est premier jour des vacances. Clairement pour l'instant on fout rien. On s'est levé à 10h. Bah petit déjeuner, voilà, les enfants regardent un petit peu la télé, Théa a joué. De toute façon je suis beaucoup plus active sur Instagram, je vous invite à m'y suivre si jamais vous avez Instagram, moi, je vous le remets là. Je vous ai montré, donc moi j'ai fait pas mal de rangements. Nettoyer la cuisine, tourner de linge, bref. La vie normale, j'ai mis pas mal de trucs encore en vente sur Vinted. J'essaye de vraiment déblayer beaucoup dans l'appart pour essayer d'épurer au max et de virer toutes les choses dont on n'a plus besoin. Donc là, je suis en train de faire préparer voilà, les petits bordereaux, les colis, etc. pour qu'on sorte tout à l'heure et qu'on aille les déposer au dépôt. Les enfants ont été relativement très sages. Hein. Là, ils jouent encore dans la chambre. Je vais aller faire à manger. Parce qu'on mange à 10h, donc c'est cool. 13h, on mange à 14h, il n'y a pas d'urgence. Voilà pour ça. Et là, je suis en train du coup de regarder pour monter un vlog. Je vais faire ça tout doucement dans la journée, par-ci par-là, et puis monter le soir. J'essaye de. Je voulais me donner une organisation de vacances qui commencera à partir de lundi, il n'y a pas d'urgence, mais genre me lever le matin avant les enfants, largement 1 heure avant, ce serait bien, pour travailler ou faire du sport. Non. Voilà. Et donc pouvoir travailler, et puis éventuellement le soir aussi un petit peu, le matin et le soir, quoi, avoir des temps sans eux. Voilà. Là, on est dans le noir, j'ai fermé un peu les volets parce que bah, il fait encore chaud, ils annoncent des bonnes chaleurs là jusqu'au week-end, enfin, jusqu'à mi-juillet même, bah, la semaine prochaine. Donc je me mets dans le noir pour essayer de préserver la fraîcheur dans l'appartement, tout simplement. Côté salon, on est exposé au soleil, on est exposé, ça doit être sud, je veux pas dire de conneries, mais je pense même le balcon alors que les chambres ça va. Un petit peu le bazar, mais voilà. Voilà. Et du coup, je décide de vous emmener avec nous aujourd'hui dans cette journée. On ne peut pas sortir, on est coincé aussi aujourd'hui, puisque Théa a rendez-vous, enfin, on a rendez-vous chez le médecin pour Théa à 17h. Donc, pour de la paperasse, pour des trucs par rapport à son dossier MDPH, etc. Machin. Rien de grave. Hein. Et donc du coup voilà, on doit être rentré pour 17h, donc je préfère qu'on sorte pas aujourd'hui. Les vacances vont être un peu ric-rac parce que financièrement c'est un petit peu compliqué actuellement. Donc j'ai fait une to-do list, je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Ah oui, elle est là-bas. J'ai fait une to-do list des choses à faire pendant ces vacances. Genre cinéma, j'ai marqué le tarif, donc c'est genre on en a pour 28 euros, moi et les enfants, sans compter les enfants et moi. On dit plutôt comme ça. Le popcorn, la route, etc. Le parc Astérix, aller au lac, au Gulli Park, au bowling, piscine, poney, zoo, bref. La to-do list de tout ce que j'aimerais faire. Noter, alors vérifier les tarifs, etc. Et puis, voilà, calculer un peu le budget à l'avance. On ne peut pas y aller à l'arrache comme ça. Il faut calculer le budget. Et j'essaye de m'organiser avec leur papa pour qu'ils les prennent un petit peu plus pendant les vacances, pour que comme ça, du coup, ils s'ennuient pas trop, les enfants. Et que chaque jour ils aient pas une journée où ils se font chier. Enfin, moi je dis pas, il y a une journée où on peut rester à ne rien faire, mais bon, dans l'ensemble, moi j'essaie toujours de les occuper au max, et voilà, et aussi faire un petit peu de devoir et travailler un petit peu pendant les vacances pour Ethan. Par contre, faut que je change de serpent parce que là elle arrête pas de tourner. Bah oui, faut que tu rajoutes des routes. Tu ouvres la barrière là-bas. C'est le petit circuit dinosaure qui vient de chez Action. C'est mes genoux qui craquent, si jamais vous vous demandez. Ah, là, il y a un petit truc qui est mal mis. Je sais pas si ça va pas gêner la voiture. Non, ça la gêne pas. Ça la gêne pas. Donc ça, c'est vous savez, les petits circuits, tu peux faire ce que tu veux avec et tout. Pas trop mal, hein. Je crois qu'il était à 12 ou 13 euros. C'est bien, c'est bien, t'aimes bien? Tu valides? Maman? Oui. Est-ce que tu peux faire le pont? Le pont? Mais c'est galère de faire le pont. Attention, Tété. Je t'écrase pas, ma chérie. Je vais essayer de lui faire son pont et je vous remontre après. Bon, voilà, je vais reconstruire le pont. C'est du petit costaud, hein. C'est pas un truc de fou. Vas-y, mets-nous la voiture pour qu'elle passe. Attends, mais là. Non, j'ai pas fini. Non, attends, juste pour voir si ça passe. Vas-y, mais là, t'étais là. Vas-y, moi, je la rattrape ici. Youhou! Super! Ouais. Il faut rajouter de la route. Tiens. Regarde, je vais rajouter de la route. Ah, ah oui, c'est pas bête ça, attends. On va marcher ça sur le pont. Vas-y. Mais il faut rajouter là-bas, t'en as plus de route. Mais c'est bien ça. On aura plus trop. Il y avait tout ça. Mais là, je vous
la porte que toi, elle a cassée. Attends, une bonne crampagne. Attends. Ah. Mais oui, mais attends. Ah ouais, tu pousses-toi, t'es à pousse-toi. Maman, pourquoi ça comme route? Vite, il n'y a plus de route. La pire route. Faut qu'Ethan y construise. Vous m'appellerez quand ce sera fini, ok? Passion dinosaure pour cet enfant, il vous montrera sa collection de dinos. Je vous filmerai le house tour de toute façon de la nouvelle configuration de chambre en tout cas. Le cartable, il va falloir que je me charge de regarder ce qu'il y a dedans, ce qui est réutilisable, ce qui est jetable et tout. Hein. J'ai fait celui de Théa déjà, je vous montre. Je vais installer ça hier, mais de toute façon je vais vous faire... Non, moi je peux vous montrer parce que le room tour, ce ne sera pas avec cette version de chambre. Je lui ai mis un petit miroir à sa hauteur, petit porte-manteau de chez Lidl. Voilà, c'était pas mon coup de cœur, mais bon, on va pas racheter alors qu'on a. Et donc j'ai lavé son cartable, je vous ai montré sur Insta, avec du vanish, dans la douche, avec le jet super puissant, tout est parti. Puis ensuite j'ai fait un petit rinçage et saurage quand même à la machine, mais j'avais peur que ça l'abîme. Donc voilà, prêt pour la rentrée, déjà. Je vous montre un petit peu vite fait comment elle joue. Elle a joué avec ses bébés. Elle l'a coiffée toute seule, je suis choquée. J'aurais mis les petites barrettes. Et puis là, il y a le bébé aussi. Elle m'a demandé de l'aider à l'habiller. Voilà. Elle joue le chat qui monte sur la table pour manger dans l'assiette. C'est tout à fait ça. C'est exactement les chats. C'est très bien représentatif. Je viens de ranger plus ou moins bien le canapé qui était en désordre. Il y a encore tout ça là par terre que je dois trier. Mais j'essaye de vous faire. Attendez. Je suis en train de vous faire des trucs sur Insta, c'est tap to clean. En gros, tu mets une photo avant, une photo après, et donc du coup, comme sur Insta, t'appuies. Je vais essayer de vous montrer. Ah, c'est trop satisfaisant, j'ai carrément bien centré la photo, je vous montre. En gros, vous avez donc la photo avant. Voilà, on marque tap to clean, ça veut dire que les gens ils vont taper sur la photo. Je vous montre, quand on tape, tac, c'est tout rangé, plus ou moins. Et là, elle est hyper satisfaisante, ma photo. Je l'ai carrément bien cadrée. Il chauffe. Maman, il a pris le monde. Non, mais c'est pas où il est. Mais je lui dis où. Tiens, attends, attends. Emmène le bonnet pour ta poupée qui a pas de cheveux. Vas-y, je te le prête. Cadeau. C'est un cadeau. Pour ta poupée. Bon, voilà. Après, c'est quand même plus ou moins le bazar un petit peu partout. Il y a des choses qui traînent. Ah, les rideaux sont... terminé de tourner, donc je vais les mettre dehors. Je vais enlever un peu le linge. J'ai mis le linge au balcon, bien sûr. Mais fais gaffe parce que la voisine qui fume, qui fait barbecue, tout ça, ça pue, ça remonte sur mon linge. Donc je dois surveiller. Alors, on va faire les colis. Je vais me munir bien évidemment de mon rouleau de scotch et puis emballer tout ça. Là, c'est un meuble, c'était ATH. Je suis contente, ça déblaye bien et ça fait rentrer des sous. Tac. Avec tout ce que j'avais acheté, j'ai accumulé beaucoup trop de choses. J'ai mal au pied, je me suis fait mal au pied ce matin. Bref, bah voilà, je fais ça. Je vous ai pas repris, je suis toujours mi-habillée, mi-pyjama. Oh, bestiole. J'ai lavé les rideaux. Je parle doucement parce que je suis dehors. Tous les rideaux là, qui vont se retrouver. On est dans le noir. Très prochainement, il faut que je marche à reculons pour qu'on voit qu'ils vont se retrouver sur Vinted ce soir ou demain quand ils seront secs quoi. Je continue mon tri, là j'ai récupéré, ma soeur m'avait filé des sacs avec, j'avais laissé les vêtements dedans, j'ai tout mis à laver parce que du coup ça sent le pipi de chat. Elle m'a dit que ces chats adoraient pisser dans les affaires qui étaient à moi, on adore. Donc j'ai tout mis à laver parce que de toute façon avant d'envoyer les colis en règle générale je relave et tout, il y a des petits... tâches sur certains trucs qu'il faut que je vois si ça peut partir avant de me vendre. Là, ça c'est ce que je vais prendre en photo. Et voilà, je continue mon tri pour... Voilà. Et 15h, on va quand même sortir, on va aller au point relais pour déposer mes colis que j'ai déjà fait. C'est le plus beau. Ah ouais, t'en as des... C'est quoi le collier autour de ton cou? Ça vient... C'est Grégoire qui me l'a donné. Ok. Je l'ai trouvé, je trouvais plus la caméra. Allez, on y va. Oh, attends, Théa va peut-être pas y arriver comme ça. Regardez-le, il est déjà prêt à être un bon papa. T'es sûr que c'est bon? C'est trop fort, mon cœur, bravo. C'est bon. Donc, on a été déposer les colis en voiture parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps. Et là, nous allons chez le médecin. Ok, du coup, et je vais prendre les vélos des enfants, mais il n'y a rien pour attacher les vélos là-bas. Et disons que le vélo de Théa, j'ai un peu peur pour le four, quoi.
Alors, attends, faut que je sorte la trottinette de ce coffre. Sinon, je peux faire du skateboard. Oh non, 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 jusque là-bas, j'avais pas confiance. Mais je sens. Oui, d'accord, tu sens faire, mais bon. Oh, je suis tombée. Oh non, le coffre, il ferme plus. Si, c'est bon. J'ai eu peur. Allez, go. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Donc, on est 53, 16h53, on a rendez-vous à 17h. Je crois qu'il est toujours en retard comme en médecin, quoi. Attendez, est-ce qu'il y a la route au bout? Allez. Des cours, j'ai reçu mon colis Amazon, j'ai un petit peu peur quand je vois la taille du truc, on ne sait pas du tout. Le livreur il m'a appelé, je revenais du médecin, j'étais au bout de la rue, je lui ai dit mettez-le devant, j'arrive quoi, trop fou. Donc je vous montre ce que j'ai pris, des pains à burger, parce que ce soir Ethan a voulu qu'on fasse des burgers, on a fait des burgers ce week-end, non pas ce week-end, cette semaine, mercredi soir je crois, j'ai prévu burger maison. Et du coup, il y a des restes à chaque fois et donc on refait. Là, mais j'ai racheté du pain parce que l'autre pain, il a un peu durci. Hein. Ensuite, j'ai pris des lardons parce que j'ai une grosse énorme courgette du jardin de chez mes parents. Et je pense que je vais faire une courgette farcie, lardon, béchamel. Hé, doucement! J'ai été chercher du coca. Parce que voilà. Pain au lait pour le petit-déj des enfants. J'ai pris du pain de mie parce qu'on a toujours besoin de pain de mie dans sa vie. Et t'en as voulu des... galette de riz, comme quand il était petit. Il en prenait, il m'a voulu, il en a voulu, et Théa les a voulu au chocolat. Donc voilà, on a fait les courses à Lidl, hein, au cas où, je le dis. J'ai pris une pâte brisée, parce que pareil, j'ai ma courgette, tout ça, donc je me dis que ça peut servir pour faire quelque chose avec. Genre une tarte, une quiche à la courgette, quelque chose. Barquette à la fraise, parce que le chocolat, ça fond. J'ai pris ça, ça coûte une blinde, mais ils adorent, ils adorent, ils adorent, ils adorent. C'était 3,67, un truc du genre, hein. Une tablette de chocolat pour faire un gâteau à la banane, j'ai deux bananes qui s'abîment. Banane chocolat, c'est la vie. J'ai pris du crunch parce que j'adore ça. Et un concombre pour Ethan, rien d'autre. Hop, voilà. Voilà, c'est tout. Et une grosse bouteille d'Oasis pour les enfants au lieu d'acheter des petits fruit shoot là. Une grosse bouteille. Voilà. Il est quelle heure? J'ai grave envie du chocolat. 18h12, oui ça passe. Non, c'est l'heure de l'apéro, Mélo. Bon, j'ai fini d'étendre mon linge. J'en suis sortie. C'était que des trucs de vente vintage en plus. En enfer. Donc le colis que j'ai reçu, c'est ça. C'est très petit. Je m'attendais à un truc trois fois plus gros, très honnêtement. Non mais du coup, ça a pas le choix d'aller. Parce que si ça va pas, je pourrais jamais le recompresser. Choqué. Enfin, il y a ça pour l'attacher. Parce qu'en fait, pour le moment, dans la chambre de Théa, j'ai mis ça. Et ça va pas du tout. Mais je sais plus si je vous ai filmé. Non, je vous ai pas filmé parce que c'était hier le problème. Mais c'est pas possible. Je vais lui arracher la tête. Il faut des ciseaux qui sont en train de se battre là-bas. Je vais aller voir ce qui se passe. Ah, ça ne peut jamais aller trop longtemps. Ils ont été sages quasiment toute la journée, sauf quand on est sorti. Hop. Attendez, j'ai appuyé sur un truc, je ne me vois plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est pas ça. Théa qui arrive, c'est bon Tété? Viens voir, maman, elle déballe ton signe. Il craquera le machin. Décidément, il faut que j'arrête de commander parce que quand je commande, c'est un signe. Non, un signe. Si. Il y a un chien. Là, il est mort. Il est mort. Pourquoi tu as dit il est mort? Non, mais explosé le nez. Je vais pleurer. Théa, tu me fais trop mal. Elle m'a explosé le piercing. Il n'y a pas à mettre des coups de boule comme ça. Hein.
Bon, je saigne du nez. M'a explosé. Ah, ça mâche. Alors quoi, ça s'attache jusque là, mais c'est vraiment de la grosse merde. Je suis dégoûtée. Attendez, on va rire. Du coup, je trouvais ce cadre. Attends, Théa, tu te calmes. Tu te calmes. Je trouvais ce cadre trop rikiki. Bien sûr, j'avais d'autres. J'aurais fait une composition avec plein d'autres cadres. J'avais plein d'autres trucs à ajouter autour. Et je me suis dit que ça allait faire fouillis comme dans sa forme de bébé. Je voulais changer. Et du coup, j'ai un autre cadre beaucoup plus grand qui fait trop bien. Je l'ai mis dans le salon, donc je ne peux pas vous montrer. Sauf que l'affiche qui est dedans, c'est des animaux de dos. La girafe, tout ça, etc. Et ça va pas du tout dans sa chambre, dans l'univers de sa chambre. C'est pas la jungle ici. Et j'ai cherché des affiches qui faisaient 50 par 70 pour la chambre de Théa. J'ai pas trouvé qui me plaise. Du coup, je me suis rabattue sur ce signe que je voyais. Que je voyais pas, c'est ridicule. Oh oui, non, mais là, c'est un peu ici. Et bras, Ouais. Attends, on va démarrer. De toute façon, je vais le garder. J'ai 25 balles, je vais le mettre sur un autre mur, c'est pas grave. Mais... Je suis désolée, mais c'est pas fifou. Hein. J'aurais dû. Je voulais le prendre sur AliExpress et puis j'étais pressée. Je le voulais maintenant, évidemment. C'est dégueulasse. Il y a rien qui va. C'est moche à souhait. Non, bah c'est toujours pas ça qui va aller là. Hein. Non, non, non. Et quel outil est tout de travers, le bordel. C'est affreux. J'ai pas d'autres mots. Enfin, vous-même, vous voyez, je pense. C'est d'un ridicule. Je le mettrai pas au-dessus de son lit parce qu'il y a quelque chose qui est prévu d'arriver. Moi, je sais pas. Ou bien même, on va le mettre là. On va cacher la misère. On va le mettre quelque part. Je vais vous montrer quand même. Du coup, j'ai été le chercher. Le cadre que je voulais mettre de base. Oui, qui faisait bien. Attendez, je vous montre. Bon, il est pas droit, hein, mais c'est normal. Non, il est droit. C'était ça. Du coup, voilà, au niveau prise d'espace, c'était quand même vachement mieux. Ben, je pense que je vais quand même le laisser parce que ça fait quand même vachement mieux que tout ce que j'ai pu mettre jusqu'alors. Le seul truc, c'est qu'il faut que je trouve une affiche. Sinon, j'ai trouvé deux tables. Est-ce que les mamans ont des muscles? Ah, bah oui, maman elle a des gros muscles. Non, mais dis donc, n'en doute pas. Maman elle a des gros muscles. Et toi, t'as des gros muscles? Comment on est costaud? Elle est costaud. ouais, non mais je pense que je vais le laisser de toute façon. Et puis, c'est pas non plus affreux, hein. C'est juste que c'est pas tellement l'univers de sa chambre. J'en avais trouvé avec des lapins. Avec deux lapins, au pire, et ben, c'est parce que j'ai fait un trou. Ça me désespère d'avoir fait un trou dans le mur pour rien. Je vais regarder, je vais laisser ça pour l'instant, mais ça fait quand même bien. Bon, attends. Je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai rien fait de fou de plus, hein. Je vais aller faire à manger, il est quand même 20h40, on est en vacances, on est vraiment en mode cool, j'essaie de pas me prendre la tête, là on est en train de jouer, Théa elle joue toute seule à la pêche, alors dis-moi, est-ce que ton bonhomme est une fille? Oui. Ah, trop bien. Moi j'ai un peu toutes les filles, ah oui, mais la vie, bah ouais, hein. Que les garçons. Il y a beaucoup moins de filles. Est-ce que mon bonhomme a une casquette? Oui. Je le soupçonne d'avoir triché. Il m'a donné la carte. Je suis persuadée qu'il l'a regardée. Les boutons. Non, je vais pas regarder. Les boutons. J'ai mes règles. Ceci explique cela. D'accord. Ta couette, elle est partie. T'es une petite pouille-pouille. Hein. Est-ce que ta fille a des lunettes? Non. Et moi, je vais t'aider. Enlève-elle. C'est bien. Alors, est-ce que ton bonhomme... Attends. Les cheveux. Non. Est-ce que ta fille a un chapeau? Non. Ah, trop tard, j'ai enlevé, chérie, on va le faire après. Est-ce que ton bonhomme a la peau grise? La peau grise? Non. Donc, c'était lui. Oui, t'avais pas triché? Jure-le. Non. Ouais, 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 ouais.
bon, je vous laisse, on finit de jouer, puis après je vais leur faire à manger quand même pour 21h, ce serait pas trop mal. Hein? Vas-y, on laisse. Est-ce que t'as deviné c'est lequel le mien? Non. Bon, j'ai eu un peu frisquette, la fatigue me gagne. Je vais faire à manger. Hop, combien d'excitax? On se couche tard. Franchement, c'est les vacances, je veux vraiment profiter. À chaque fois, je les couche à 21h, tout ça. Mais là, à 21h, on mange, ils ne sont pas encore lavés ni rien. Donc, ils ont voulu, je vous disais, burger maison. Je fais les steaks moi-même avec de la viande hachée. Je l'avais congelée, c'est pour ça qu'elle est dans, conditionnée dans un tupperware. Les petits pains, alors eux, je vais leur faire des petits. Et moi, je vais vous faire des gigas. Et ce qui est chiant, c'est que voilà, il y en a 4. Je vais en manger un, peut-être 2. Il en restera 2. Je sais que ça se congèle, mais j'aime pas les congeler.